Bon, où est-ce que je me suis garé? Oh, c'est pas possible. Où est-ce que j'ai pu garer cette R9? R9? Mais j'ai pas de R9. Ça fait 3 ans que j'ai plus de R9. J'ai une 305. Mais non, j'ai plus de 305 depuis 6 ans. Mais depuis quand est-ce que j'ai une voiture? Bon, on reste calme, je vais rentrer par le bus. Ah, voilà l'arrêt. Alors, Beaumont, 8h30. Mais j'habite plus à Beaumont depuis 8 ans. Bon, je me calme. Regardez sur ma carte d'identité. Voilà. Alors, j'habite à Romania. Mais non, j'ai quitté Romania il y a 5 ans. Bon. J'habite à Aubière, mais c'était il y a 15 ans. Je sortais tout juste de l'orphelinat. Mais pourquoi je pense à l'orphelinat? J'habite à... Ah, bon sang. Je ne sais même plus où j'habite. Ah. Bon. Je dois trouver un docteur. Je souffre de troubles mentaux. Bon, récapitulons. On sort normalement du bureau, un jeudi à 5h, et puis, jeudi, il n'en est pas jeudi. Ah non, c'est pas vrai. Bon, je vais regarder dans mon journal. Mon journal, et mon portefeuille, je l'ai perdu. Ah non. Bon, je dois chercher dans l'annuaire d'une cabine téléphonique. Je chercherai mon adresse. Il ne doit pas y avoir des tonnes de Robert. Robert? Non, je ne connais plus mon nom. Je ne sais plus qui je suis. Suivez-moi. Il y a longtemps que nous étions à votre recherche. Voyez-vous, votre père était un savant. Et quand vous aviez 2 ans, vous avez traversé par curiosité un écran temporel et l'avez accidentellement mis en marche. Nous savions que vous aviez été intégré dans le passé en 1963. Mais nous ignorions où. La quête a été difficile. Mais à présent, vous êtes de retour. Nous sommes navrés qu'il vous ait fallu passer par cette effrayante expérience. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Vous comprenez, plus nous nous rapprochions de vous, et plus le passé et le présent se mélangeaient dans votre esprit. Finalement, quand nous vous avons atteint, vous avez perdu entièrement le contact. Vous êtes revenu. Soyez le bienvenu chez vous. Thank you.
Thank you.